Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gaming Kivel. Et on se retrouve aujourd'hui pour un truc qu'on attendait depuis quelques semaines. Il est arrivé, il est chez nous. Le coffret Rayquaza destiné au culte. Collection Pouvoir Premium. Non mais en tout cas, vous pouvez hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires. Alors ce coffret est tellement grand qu'on ne peut pas vous montrer sur la petite caméra, voilà. Donc on vous le montre là. Il est énormissime, les gens. Il est magnifique. Dedans, on a 7 paquets de cartes destinées au culte. On croise les doigts, c'est aujourd'hui. Alors, ce coffret est apparemment extrêmement limité. Nous, on a eu la chance de le préco à un prix correct. C'était pas le prix moins cher, c'était 60€. Mais faut pas abuser, il y a des sites, faites attention les gens, il y a des sites qui profitent vraiment de vous, essayez de pas rentrer dans leur jeu à acheter des coffrets à 100€. Alors sur eBay il peut y avoir de la revente, je comprends, c'est des indépendants, mais par contre les sites professionnels de cartes à jouer que je ne citerai pas pour pas faire de mauvaises pubs, qui se permettent de le mettre à 100€, c'est du vol. Surtout n'achetez pas à 100€. Voilà, parce que les gens qui le vendent à 100€ sur les sites professionnels ne l'achètent pas 60€ comme des particuliers par exemple qui pourraient le revendre sur eBay, ils l'achètent moins cher hors taxe. Voilà. C'est ça. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Il y a déjà 7 boosters comme a dit Guillaume, il y a aussi une masse magnifique méga carte de Rayquaza en shiny SV. Alors elle s'appelle pas SV celle-ci, mais c'est un peu la même chose qu'on a eu dans le set. Bon. Il y en a une version petite et il y a deux golds. Regardez-moi ça, les gens. Solgaleo et de Lunala. Là, vous voyez, les deux golds, elles sont là. Solgaleo et Lunala et la promotionnelle qu'on attendait pour compléter notre collection. Oh là là, du coup, il nous manque quand même deux gold, SV qui ne sont pas sortis encore en France, mais qui sont sortis en anglais, en allemand. Ce qui est assez bizarre, c'est que je vais te montrer derrière. J'ai l'impression qu'il y a un poster dedans. On va l'ouvrir. Oui, oh là là, on débliste les gens. Ouais. Un truc qui vaut très cher, mais bon, c'est l'aussi pour la collection. On va compléter. Les cartes gold font pour nous partie du set SV, puisqu'elles sont promotionnelles au set destiné au culte, et donc c'est très stylé. Les rajouter dans notre collection comme on avait pu rajouter les 3 oiseaux en version vitrail dans les Elite Trainer Box. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment scellé en dehors du plastique. Donc le plastique, c'est juste pour protéger un peu, mais vous pouvez le garder presque en dehors du plastique parce qu'il y a vraiment le... faut vraiment le décoller comme un malade, quoi. Bah oui, décoller comme un malade. Voilà. Donc c'est Guillaume qui va commencer l'ouverture. Je sais pas si on fera moite-moite, ça dépend de sa chance. Il a des trucs de ouf et on va continuer l'ouverture. Et c'est parti. Alors, donc le coffret est vide. Le coffret est vide, ça y est. Donc j'ai tout devant moi là, les gens. Oh là là, c'est énorme. Vous n'allez pas pouvoir tout voir parce que du coup c'est un peu grand. Oh là 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 là. Alors, je vais déjà poser les golds, je vais les prendre après. Oui, et du coup c'est non mais du coup c'est délirant. C'est une sorte de poster. Non, c'est un poster. On va pouvoir faire un petit fond, regardez, pour la vidéo. Mais non, mais attends. Ça va être trop joli. Il est super beau. Il est super beau. Donc, les illustrations qu'il y a sur le poster. Sauf qu'il y a Metalos et Zoroark qui ne sont pas sortis en France. Ils sont marrants. Lol. Ben là, Metalos et Zoroark. Ah ouais. Oh là là, mais c'est trop bien. Ça nous fait un fond pour la vidéo. Bah ouais. Voilà. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est génial. Bah voilà, en plus avec le gros logo en haut destiné au culte que vous voyez pas beaucoup, mais la jumbo de Rayquaza, elle est trop belle. Elle est magnifique. Oh là 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 là. Ah, c'est super coloré, c'est bien. Ouais. Vas-y, on a un fond, c'est trop bien. Très jolie, Rayquaza GX, elle est magnifique. Alors du coup, elle est moins intéressante en grande parce qu'elle va pas dans la collection, on va dire, en petite carte. Sauf que les gens. Elles sont pas collées, hein. Incroyable. Mais non, elles sont pas collées, c'est. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et normalement, elles s'enlèvent toutes seules. C'est pour pas abîmer les cartes promotionnelles. Tombe. Voilà. Et donc, t'as des pochettes à ta gauche. Alors. Ah, ça rend trop bien le fond. Mais oui, ça rend trop bien le fond. C'est super méga coloré. Ah, bon, on a un nouveau fond. Ah, mais je savais pas qu'il y avait un poster dedans. Moi. Oh, une nouvelle SV. Et en plus, c'est abusé qu'il l'ait mis en pro. Parce que, à tes souhaits, celle-ci est juste incroyable. Après, le Dracofeu, c'est une des cartes les plus prisées au Japon. Ouais. C'est Rayquaza en GX. Faut savoir que au Japon, elle est dans le set. Elle est dans le set et là, ils l'ont mis hors set en France. Mais regardez-moi cette carte Rayquaza en gold. Elle est incroyable. Ouais. Pour ça, le coffret vaut le coup. Je sais pas combien elle se négocie en promotionnel sur des revendeurs ou des gens qui auraient ouvert pas mal de coffrets revendu juste les cartes à l'unité. Mais si vous pouvez l'avoir dans les 20€, je vous conseillerais presque de l'acheter parce que le coffret, je pense qu'il n'y en aura plus jamais. Ouais. Et elle va être très prisée. En tout cas, elle est très jolie. Elle est plutôt pas trop mal coupée, on va dire. Elle est assez bien centrée. Et ça fait une sacrée carte. Et du coup, c'est pas une promotionnelle. C'est la 177A sur 168. Donc ça ne correspond à rien. Oui. Ça correspond aussi au 168, au 68 de l'extension. Sauf qu'il y a 94 SV. Et en fait, 168, c'est le total. C'est très bizarre. Bah oui, puisque ça correspond même pas au promo de Soleil et Lune. Non, mais c'est très très bizarre. Parce je sais pas trop à quoi ça correspond. Là, par exemple, l'Eviator GX, c'est SM212. Voilà. Donc ça correspond à. Oh là là, énormément. On va s'attarder sur cette carte là parce qu'elle est incroyable. Elle est vraiment super belle. Ouais.
Ah, c'est ouais. Et en plus, elle est pas trop mal coupée. Ouais. Elle a l'air d'être plutôt propre. On a 7 boosters. On a aussi, on va mettre les gold. Les gold quand même. Ouais. Non, mais c'est assez énorme. On a mis du temps sur la première. Du coup, la batterie elle s'est vidée. La caméra était pas pleine. Du coup, n'importe quoi. Oh là 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 là. Mais là, par contre, ce sont des promos. Mais oui. Par contre, ça fait vraiment partie du set. Ce sont des alternatives. Il y a bien le petit logo. Elle s'appelle SM, donc Sun and Moon 104A. Ok. Non mais c'est trop bizarre. Mais en fait, il faut savoir qu'en anglais, c'est sorti la carte, c'est la Rayquaza, c'est la 77A sur 68. Donc 68, c'est logique puisqu'il y a 68 cartes dans l'extension. Oui. Sauf que là, ils en mettent 168. Sauf que il y a 94 SV plus 68 cartes, donc ça n'est pas 168. Alors je comprends pas d'où il vient 168. Je sais. Ça vient de la Rayquaza qui est sortie en Rainbow dans une extension Pokémon. Ouais. Qui était 177 sur 168. Oui. Sauf que là, c'est la version alternative de cette carte-là qui est sortie il y a quelques temps. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est la 177A. Ah oui, d'accord. Mais okay. Du coup, je pense qu'il y a un Rayquaza qui est sorti en full art dans une extension. Je sais pas, c'est pas ciel, ciel rougissant où il y a Rayquaza sur l'illustration soleil et lune. C'est des boosters verts avec ciel rougissant, c'était soleil et lune. Ouais. C'est pas XY ? Non, je crois pas. Ou peut-être. Sûr. Ouais, je crois, ouais. Ok, bah je sais pas. Tempête céleste, un truc dans le genre. Ouais, c'était plutôt ça. Tempête céleste, ouais, je sais plus. Et en tout cas, je me confonds, mais je crois que c'est le même numéro, mais en alternative. Bah, faut nous dire dans les commentaires. Elle est incroyable. Et donc, on a deux cartes, les gens, mais deux gold incroyables. Ouais. Qui sont, comme les gold, qui sont ressortis dans l'extension Turbo GX Team Tag All-Star GX. Ouais. Que justement, c'est ça, je vous souviens un peu, mais on va ouvrir ça. Eh bien, ce sont des gold où la carte est intégralement dorée et c'est redessiné un peu comme Tokopio et tout. Et donc, d'accord, c'est des cartes qui sont déjà sorties qui sont sorties au tout début, je crois, de Soleil et Lune. Et elles sont sorties cette fois-ci en gold avec une. Oh, mais regardez, en fait, si vous regardez elles bien. Sont super non, mais attendez, je vais essayer de vous montrer parce que c'est assez incroyable. Regardez l'aura qui est autour de la tête de Luna. En fait, tu ne vois pas beaucoup, mais quand tu regardes bien, alors là, ça fait derplay avec la pochette et tout, je suis désolé, mais. Vous voyez, il y a vraiment des reflets autour. On voit bien. Et Solgaleo, c'est plus une sorte d'éclat. Comme le voilà, soleil. Voilà, le soleil. C'est super belle. C'est vrai qu'il n'y a pas de panique comme ça, mais quand tu les regardes au soleil, avec un peu plus de précision, elles sont incroyables. En plus, t'as le doré foncé, t'as le doré un peu plus clair sur les côtés. Ouais. Oh là là, mais regardez, les gens, voilà, 60 euros. On a déjà 3 cartes. Voilà. Franchement, on a déjà 3 cartes. 3 cartes, et en plus en jumbo. Donc 2 gold et une SV full art. Direct dans la collection. Ah bah oui. Direct. On réfléchit. Alors, j'ai enlevé du coffret, sauf qu'elle est collée, c'est la Dracaufeu. Ah ouais. Donc j'ai pas voulu faire de bêtises. Ah, c'est bon. Pourquoi c'est collé? Je sais pas. C'était la seule qui était collée, parce que les autres, j'ai réussi à enlever très facilement. On va faire du ASMR. Tapping. Attends, faut pas parler normalement. Oui, bah c'est bon. Et donc c'est bon, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc maintenant, tous les boosters vont ouvrir. Allez, vas-y, envoie-nous du lourd. Ça fait partie des derniers paquets qu'on ouvre. Je pense, ouais. Je pense. De toute façon, on fera une vidéo quand on aura la collection. Ouais. Au pire, on le tradera contre des cartes qu'on a eu en double, qu'on vendra et du coup, on achètera avec cet argent. Je sais pas, vous verrez, du coup, vous serez au courant de tout ce qui se passera, mais là on a vraiment vraiment forcé sur cette extension. Ouais. Et on nous a rien donné. On a ouvert 300 boosters, 300 et quelques boosters les gens. Ouais. On en est vraiment rendu là, on est à 300 voire 400. Enfin, on sait plus, on a pu compter au bout d'un moment. C'est n'importe quoi. Ah, le fond est trop bien. Enfin, je suis content du bien. Fond parce que du coup ça fait un petit fond sympathique pour 0€ parce que c'était pas prévu qu'il y ait un poster. Puis moi, je m'attendais pas à ça. Alors, est-ce que le tirage va être sympa? J'ai regardé un peu des ouvertures pour vous spoil. Il y a de tout. Il y a eu des bonnes ouvertures avec deux grosses SV, et des ouvertures avec une seule grosse SV, des petites, et il y a eu des ouvertures avec juste deux petites SV. Là, j'ai fait, oh, si j'ai deux petites SV. Après, il y a quand même les trois cartes ultra. Hein. Bon, c'est parti, allez. Arène de la Nondine, Arène d'Argenta de Pierre, Crisacier, Mélophée, Psychoquack, Magikarp, Star, on commence à les connaître, hein, parce que là, je pense qu'on a fait le tour. Voltorb. Ah, Kangourex. Mince, Kangourex. Ah, j'avais pas vu que c'était là. Bon, au pire, ça aurait été. De toute façon, c'était rien. Il y avait rien. C'est très joli comme fond. Oui, c'est très joli le fond. Non, mais ça rend bien, ça fait tout coloré et tout. Ouais. J'aime bien ce papier. Bon, on va le garder pour nos prochaines ouvertures. Bah ouais.
En plus, ce sera sans doute pas du c'est les Pokémon en shiny, c'est trop stylé, quoi. Ouais, ce sera sans doute pas du Destiny occulte, mais... Ben non, parce que déjà, comme j'ai dit, il y aura normalement le Tag Team Ultra All-Star GX avec des golds malades en japonais. Enfin, vous allez voir, c'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a juste un truc, je vous tease un peu. C'est juste pour ça que j'ai acheté le truc. Il y a un paquet sur 250, c'est les God Pack. Littéralement, en anglais, ils disent ça. Alors, je sais pas c'est quoi la traduction française. Bah, des paquets de Dieu. La chance de Dieu. La chance de Dieu. Eh bien, vous avez 10 ultras en un seul booster. Voilà. C'est juste pour en mettre le à la bouche. Si jamais on en sort un, les gens, on va y hurler. Ouais. Un sur 250, on a même pas sorti le coffret sur 400 boosters alors. Arène d'Argenta de Pierre, le Vénard. Oui, c'est vrai. Abo, Smogo, Paras. Mais on peut rêver, laissez-nous rêver. Laissez-nous rêver. Allez, allez, allez. On croise les doigts, on croise les doigts. Non. Oh là 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 là. Et... Oh là là. Oh, Kangourex. Oh, c'est une blague du Kangourex. Ouais, River, c'est... Ouais. C'est triste. Là 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 la fin. Ouais. Bah là, honnêtement, on peut pas en ouvrir d'autres. Hein. Non, les coffrets, c'était voilà. Le premier et le dernier. J'en ai reçu deux, mais j'ai acheté avec mon frère, donc il y en a un qui est pour mon frère pour sa collection, qui voilà. N'ouvrira pas. Et j'en ai un que j'ai pioché parmi les deux, c'est que j'ai poché le mauvais. Ouais. Mais j'ai pris celui qui était plus abîmé parce que comme moi je l'ouvre, je m'en fiche. Déterminé, Jindin. Allez, Salamèche, on a aussi Mélofée, on a Psychoquack, on a Magikarp. Attention les gens, allez, allez, les premières SV là. Oh, oh là 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 là. Oh là 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 là. On a pris le pire coffret qui existe au monde. Non, mais en vrai, tu payes tes cartes quoi. Tu ouais, payes tes promos quoi. Après, il y a quand même 7 boosters. Ouais, c'est mais j'ai l'impression que c'est pas fixe. Ils auraient pu faire un truc un minimum fixe. Quoi. Ouais. Allez, Énergie Feu, Exil de Giovanni, Piège de Kogam, Stratégie de Major Bobs, Psychoquack, Salamèche, Magikarp, Ramolos, Mélofée. Oh. C'est pas vrai, hein. C'est oh là assez là. Incroyable. Ouais, en vrai, c'est voilà. C'est en fait, ça résume un peu l'extension, ce qu'on a fait à la fin. C'est vraiment décevant un petit peu quand même en termes de... Et même au niveau de vos commentaires, il y en a pas mal qui n'ont rien eu et tout. En vrai, l'extension, elle vaut le coup, mais elle vaut presque le coup à la faire vendre, quoi. En fait, ouais. C'est presque ça. C'est dommage parce que du coup, il y a tellement de potentiel sur cette extension. On a eu pas mal de chance, on va pas se plaindre, mais... Non, on a eu pas mal de chance. C'est vrai qu'on n'a pas eu les cartes vraiment qu'on voulait, absolument. Magmar, Canartichaud, Starry, Abo, Chenipan, Paras, Salamèche... Ah, une petite SV. Rocabo et Mew. Mew. Ouais, là bon. ça pue vraiment. Ouais. On va sûrement avoir le plus mauvais de YouTube, mais c'est. Ouais, c'est, bon, c'est, le problème c'est qu'on choisit pas quoi. On peut pas choisir. Ouais. Donc je passe hein, parce que c'est. Je vous le dis, les gens, c'est assez frustrant. C'est quand même 60€ là et vraiment pour le coup, c'est encore de l'arnaque quoi. Ils ont vraiment fait aucun effort sur ce des Pokébox. Reptincel, ouais, la Pokébox reste la meilleure solution. Hein. Enfin, carrément, parce que pareil, Elite Trainbox, vous avez forcément une foulard, je crois. Enfin, ça dépend. Non, pas forcément. Et 60€ quoi. Ouais. Donc voilà, les Pokébox sont plus valables. Canartichaud, Smogo, sauf que les Pokébox, il n'y en a plus nulle part. Voltorb, Oslef, enfin il y en a quelques endroits quand même. Et Raikaiou, Evoli. Ouais, c'est assez incroyable. Hein. C'est là, les gens, on est vraiment sur un truc assez catastrophique. Horrible. C'est horrible. 7 boosters, les gens. 7 boosters. Aïe, 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 aïe. J'ai même pas envie de garder le suspense. Là. J'ai envie d'ouvrir direct ouais. Sur. Ah, c'est assez déprimant, ouais. Alors, énergie, insécateur, reptincelle, Crédacier, Ocelet, Raikaiou, Evoli, Rondoudou, Smogo. Alors, oh c'est, on a repris on a nos soufflé. Esprits, on a soufflé un peu. En vrai, on est parti de la vidéo, on a racheté de la vidéo. Non, mais pour être complètement honnête, on a racheté de la vidéo. On s'est dit non, tant pis, on l'avait pas. Parce qu'en vrai, elle est vraiment affreuse. Hein. Ouais, on est les gens sur le pire coffret à creuser ever. Quoi. Mais après, ça vous montre qu'il faut surtout pas l'acheter à 100€. Voilà. Comme ça, vous êtes dégoûté. Comme ça vous dégoûte ouais. Avant que vous l'achetiez. Non, en vrai, je vous conseille d'acheter les promos du coup. Ouais. Quoi. Parce que je sais pas, après, si les promos c'est 60€ les 3 et vous pouvez acheter 60€ le coffret, achetez le coffret, ouais. Vous aurez des paquets. Mais là, on est vraiment sur le pire coffret. Le pire coffret. Le pire du YouTube. Eh, on a pire coffret. Remarque, on a un truc. Donc, je pense que la prochaine fois, je laisserai qu'ils m'ouvrir. Moi, j'ouvre plus jamais de trucs. C'est fini, j'arrête. Mais on va peut-être ouvrir d'autres trucs alors. Parce ouais, que là, parce que là, c'est pas possible. On peut pas finir là-dessus. Mais genre, vous imaginez, ce serait notre dernière ouverture. Voilà. On a un recabo qu'on a eu 1 milliard de fois. Non, on bon, alors, on est passé de tout au tout dans cette vidéo. On est passé de oh, trop hype à des déceptions complètes, rage. Et après, ouais, mais c'est pas grave. On a en vrai, c'est pas grave. C'est pas grave parce que nous, ce qu'on voulait surtout, c'est les 3 promos qui sont très très bien.
On est très déçus et très, très frustrés parce que c'est quand même de l'arnaque, faut pas se le cacher, hein. 7 boosters et avoir juste ça. On a même vu, même j'ai vu des ouvertures où t'avais que 2 petites SV sur 7 boosters, c'est du vol, ouais. C'est ridicule. Enfin, bah, je veux dire. Là en vrai, on a payé 60€ les promos. Voilà, les promos avec la jumbo. C'est ça. Mais après, ça reste des très belles promos. Ah hein. On s'est hypé au début, c'est vrai qu'on a passé du temps dessus parce que je sentais bien qu'on allait rien avoir. et alors, non, mais c'est vous, que... vous pouvez avoir de la chance, mais c'est un peu comme nos Pokébox. Nous, on a eu des golds dans des Pokébox et dans nos Pokébox, t'as rien. Mais là, ouais. Voilà, c'est 60€, voire 100€ si tu l'achètes à un revendeur. Et mettez pas 100€. Non, mettez pas 100€. Alors, mettez 60€ si vous voulez vraiment les promos, voilà. Et tout. Mais franchement, achetez pas ça pour avoir des. On va pouvoir compléter parce que c'est nos promos. Alors, j'ai vu que la sœur, je vous montre pas parce que sinon, ouais, parce vous allez que... notre collection. Voilà. Parce qu'on a bien, bien avancé. Pour être honnête, on a bien avancé, on a acheté quelques cartes. On va vous faire une vidéo quand on aura bien avancé encore la collection. Ouais, c'est et ça. Donc, et notre promo, c'est celle-ci. Pour ceux qui se souviennent de l'Elite Trainer Box. D'ailleurs, on n'est peut-être pas à l'abri d'ouvrir d'autres élites. Bah franchement, là on s'est dit avec Guillaume, là pendant un moment de pause que vous avez pas vu. Il faut qu'on tente, quoi. On va tenter une dernière Elite Trainer Box, je pense. Parce que les élites, on en a ouvert que 4. Que 4. C'est un bien grand mot, le que est un bien grand mot. Hein. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais on a ouvert beaucoup de Pokébox, pas mal de tripacks, et les élites, on n'a pas ouvert beaucoup. Et les seuls qu'on a ouvert étaient quand même plus carrément généreuses. Voilà, on a quand même des belles promos à rajouter dans la collection qui vont compter parce que c'est quand même assez important. D'avoir toutes ces cartes-là, surtout le Rayquaza qui fait partie du set au Japon, comme on vous le rappelle, et qui en France est sorti dans le coffret, donc ça c'est super important. Voilà. Voilà, on est quand même sur 2 gold, mais petit sentiment d'amertume là, ça fait un peu le seum. Donc si jamais vous en avez ouvert et que vous avez eu de la chance, envoyez-nous vos tirages parce que ça nous remontera le moral en me disant bon, il y a peut-être de la chance. Il y en a peut-être qui ont de la chance, mais bon. Pour l'instant, en vidéo, on n'a pas eu non plus la chance de ouf. On a eu des bonnes cartes, aussi l'étrange en box de Kim, voilà. Certains trucs, on a eu des très bonnes cartes. En fait, quand on a eu Cynthia au tout début, Mewtwo, en fait, c'est surtout les cartes qu'on n'a pas eu 3000 fois. Voilà. C'est-à-dire Cynthia, les dresseurs, Montagnard, Mademoiselle. Là, je les vois, Mademoiselle, ah vous avez pas tout vu, mais Guzma et tout, voilà. Ouais. Il y en a quelques-unes, il y en a qu'on a acheté parce que on a quand même eu Colin Clapotis et on peut vous dire un indice, la collection est plutôt bien fournie. Dans les classeurs, on l'a plutôt bien rempli. On vous fera une vidéo quand elle sera complète. Quand elle sera complète. Ouais. Il arrête pas de faire la mise au point sur ma main. Bon, je suis désolé, c'est un peu fou. Voilà les gens, là on était en mode faut finir la vidéo quand même parce que ça reste une petite miniature sympathique avec le coffre à Rayquaza qu'on avait dit qu'on attendait. Ça reste on une l'a nouveauté, reçu, voilà, ça reste c'est une nouveauté. Une nouveauté. On a quand même belle carte. Un joli poster, voilà. Là 60€ le joli poster, c'est un peu cher. Voilà, en plus si on la mettait pas la vidéo, vous comprendriez pas pourquoi on a ce joli poster. Voilà les gens, en tout cas les gens, faut croire des deux pour nous et faut nous dire que vous avez le seum pour nous. Ouais. Parce qu'on a le seum pour nous, alors et le seum pour nous. C'est parce qu'on a eu, je sais. C'est parce qu'on a tous les persos à Brawl Stars et parce qu'on a eu. Non, on peut pas avoir la chance partout. On a eu tous les persos Brawl Stars. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Si en plus on aura Goofy, mais alors là, ça serait incroyable. C'est-à-dire qu'on aurait tout dans tout. C'est ça. Non, on peut pas tout avoir. C'est déjà pas trop mal. On a eu les promos. C'était rien. Le truc de base. On a rien. On a... Arrête, j'essaie de me rassurer. Punaise, j'essaie d'être positif et tout. Pour une fois que c'est moi qui essaie d'être positif. Eh oh. Qui m'a été en mode ouais j'ai le seum, vas-y non moi j'ai pas envie, je suis frustré. C'était moi qui étais en train de la remonter le moral, alors c'est l'inverse. Ça arrive quasiment jamais cette phase. Ouais c'est vrai. Et non c'est moi qui ai le seum et qui veut plus rien faire. Mais ouais. Là ça fout le seum. Les gens c'est bon, c'est pour YouTube pour faire une belle vidéo qui donne envie, mais c'est surtout personnellement, on en attendait pas mal. Bah au moins une... Alors je dis pas que si on avait eu une grosse SV par exemple si Boumata, on aurait été content. Mais au moins une grosse SV à voir. Un cabot, petite SV quoi. Voilà. En tout cas les gens, j'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, vous pouvez faire il faut qu'on ouvre sur la un hashtag pray for GameKing pour qu'on ait Draco feu, je sais pas. Non mais en vrai, je pense qu'on va rouvrir quelques trucs parce que là je peux pas rester là-dessus. Ouais, non, on peut pas rester sur Recabo quoi. Donc je pense qu'on va rouvrir des élites qui nous étaient dans le stock là. En fait on en a 10 et on voulait les garder, mais au pire. Au pire c'est pas grave. On les a payés 50€ en plus pièces, on les a pas payés trop cher. Ouais. Bon. Donc peut-être rendez-vous dans une prochaine vidéo. En plus on aura à chaque fois le Articodin qui est assez joli et qui vaut une vingtaine d'euros. Hein. C'est ça. Bon, on verra. Restez au courant sur la chaîne. J'ai le blister du coffret si non, vous voulez. Non, qui est pourri, voilà. Là, on part encore sur du rush de Destiny Occult parce qu'il faut vraiment qu'on pack un truc de ouf quoi. Ouais, au moins, un autre Mewtwo, un truc stylé quoi. Ouais. Gens, donc, on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de Game Team et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Game Team. Et du coup, dans une future vidéo de Game Team, allez, salut!